Hello, je vous retrouve aujourd'hui. Alors avant de commencer le vlog, je voulais vous prendre pour vous dire 2-3 petites choses très rapides. J'ai fait donc pour vous hier la vidéo qui concernait mes dents, mon blanchiment dentaire, qu'est-ce qui a fait que j'avais des dents blanches. Pour celles qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, donc il s'agissait du coco, du Wonder Coco en fait. C'est une boîte qui contient du charbon vegan naturel, donc sans produits chimiques ni même animaliers. Ça a vraiment marché, franchement. Vous en avez la preuve, hein. Voilà, j'avais des dents qui étaient assez jaunâtres au début. Et donc voilà, hier il y a eu un petit problème en fait. Le code promo n'a pas fonctionné pour certaines parce qu'il y a eu beaucoup de réactions sûrement, je sais pas. En tout cas, le code est de nouveau actif. Donc vous bénéficiez de moins 25% sur tout le site. Donc sur l'Organic Oil Peeling de chez Wonder Coco, vous avez moins 25%, et sur la petite boîte, donc qui vous reviendra beaucoup moins cher. Déjà de base, elle n'est pas du tout chère par rapport aux autres produits sur le marché qui vont faire blanchir les dents tout en vous bousillant l'estomac. Mais ouais, déjà c'est pas cher, et en plus de ça j'ai un code promo de 25% quoi. C'est pas un petit truc de 5% quoi. Voilà. Donc je vous mets encore une fois tout en barre d'informations, vous avez les liens, vous avez le code promo. Et donc voilà, je vous laisse maintenant avec le vlog, je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Ciao. C'est la vie de s'étirer. Donc là, on se retrouve le lendemain. Comment allez-vous? Je prends, comment dire, aujourd'hui j'ai pas publié de vidéo, donc aujourd'hui on est jeudi. Donc jeudi dernier vous n'avez pas eu de vidéo logiquement. Même sûrement, mais c'est normal en fait, j'avais envie de prendre ma petite journée et voilà quoi. Même si je prends pas forcément ma journée vu que je vais quand même monter des vidéos et je vais quand même filmer. Mais bref, vous m'avez compris. En tout cas, il faut toujours me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Instagram et Snapchat. Vous avez toujours les liens sur le premier commentaire. Donc pour me suivre, vous avez juste à cliquer sur les liens, c'est hyper simple, c'est hyper rapide et ça vaut le coup. Voilà, donc là il est midi 18, ma maman est partie, elle a une séance de kiné, donc elle est partie se faire masser, ou plutôt faire des exercices, non elle est passée à l'étape exercice. Donc moi je vais préparer le petit repas du midi. Je pense que je vais faire une salade avec des aiguillettes de poulet, avec une panure. Et je sais pas qu'est-ce que je vais faire à côté, je regarderai dans ma cuisine, je vais voir un petit peu ce qu'il y a et puis voilà. Voilà pour le midi, donc bah, écoutez, en cuisine. Bon, bah, je vous retrouve du coup à midi. On a préparé à manger. Donc c'est omelette et aiguillette de poulet, petite salade, petit jus. Ça va maman? Ça va. Donc voilà, on va manger tranquillement et puis je vous retrouve tout à l'heure. Hi, je suis maquillée, de retour, coiffée. Oui, beaucoup me disent mais ma semaine, je me crache. Toutes les filles hein, qui ont des baby hair, je pense que vous les voyez un petit peu là, qui sont plaquées. Sauf que moi je n'en ai pas que devant, je ne suis pas normale. J'en ai même ici, je sais pas si vous voyez, si je fais ça vous devez avoir des cheveux qui dépassent. Enfin bref, quoi qu'il en soit, je ne mets plus de gel sur mes cheveux. Donc ce que j'utilise pour plaquer mes cheveux, c'est de l'huile de coco. Donc bien sûr, ce que vous voyez, ça brille, c'est parce que j'ai mis de l'huile de coco dessus. Voilà, je sais pas si je vous l'ai déjà expliqué, mais enfin bon, bref. Le truc, c'est que je ne me lisse plus trop les cheveux. C'est-à-dire que voilà, je vais faire deux séparations. Je vais passer deux coups de plaque pour avoir vraiment un effet lisse, mais sans que ce soit parfait en fait. Et je vais venir tout plaquer et attacher. Et voilà, c'est la coiffure qui me convient le plus en ce moment. Donc en fait, je vous reprends pour vous parler des produits que j'avais reçus de chez Laura Mercier. Donc Nice Work Paris. Merci beaucoup, oh, putain, en plus avec ma main qui est... Avec tous les ongles cassés, c'est dégueulasse, mais bon, merci. Alors, je vais commencer par mon gros coup de cœur, c'est le rouge à lèvres que je porte. En fait, j'ai mis un contour avec un rouge à lèvres que j'ai déjà, donc un rouge à lèvres marron foncé un petit peu. Voilà, c'est celui-ci. Hop, je le déroule un petit peu. Et j'ai mis ça, en fait, au milieu, au centre des lèvres. Comme vous voyez, c'est super lumineux, c'est super glossy. J'adore, c'est super confortable à porter aussi. J'adore. Et j'ai utilisé aussi deux autres choses que j'ai reçues aujourd'hui. Trois même. Donc on va commencer par le crayon pour les yeux. Ah 4, 5. Ah non, en fait j'ai utilisé pratiquement tout ce qu'ils m'ont envoyé. Enfin bon bref, j'ai utilisé ça. Donc c'est le crayon qui... Attendez, je vous ai même pas dit le nom du rouge à lèvres. Alors le rouge à lèvres, c'est le Brigitte. Donc le Brigitte, c'est celui-ci. De chez Laura Mercier.
Ensuite, j'ai utilisé ce crayon en muqueuse, donc vous voyez à l'intérieur, pour avoir un effet d'œil un petit peu plus grand. Donc j'en avais pas du tout de crayon clair. Et avant, ce que j'utilisais un anti-cerne en fait en pot. Et il était temps que je que je puisse utiliser un crayon fait pour les yeux et fait pour la muqueuse. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé le mascara de chez eux. Regardez-moi ces cils de biche. Et ce que j'adore dans ce mascara, c'est que la brosse est toute petite. Ok. Ce que j'adore, c'est que la brosse est toute petite, petite, comme vous le voyez, comme vous la voyez en fait, et elle prend vraiment de la racine. Elle attrape bien tous les cils et elle les allonge très très bien. Donc, je sais pas si vous voyez, elle joue beaucoup beaucoup sur la longueur de mes cils et j'adore. J'ai aussi utilisé un produit que j'adore. Comme vous le savez, jusqu'à maintenant, j'utilisais un eyeliner de chez Kat Von D. Après j'avais plus trop aimé, je sais pas pourquoi, et je suis passée donc aux eyeliners liquides avec celui de chez Sigma. Voilà, c'était un eyeliner de chez Sigma, il était super, il était top, sauf que je trouve plus. Et là, ben, je pense que Laurent Mercier a entendu mes prières de là où ils sont et ils m'ont envoyé un feutre eyeliner qui est juste extrêmement fin. Vous, franchement, pour les débutantes, je vous conseille vraiment de commencer par avec un feutre, et celui-ci surtout. Regardez-moi comment elle est fine, la mine. Je sais pas, c'est toujours flou en fait. Attendez, voilà. Bon, là vous le voyez, je pense. C'est extrêmement fin en fait et précis. J'adore. Et petite astuce du jour, c'est de toujours ranger votre eyeliner comme ça, de façon à ce que le produit ça soit toujours, toujours vers la mine quoi, et pas l'inverse. Parce que si c'est comme ça, ben, vous aurez moins d'intensité. Donc hop, on le range. Moi je le range dans mon pot à crayon et c'est parfait. Qu'est-ce que j'ai utilisé aussi? J'ai utilisé ces deux petits trucs. Voilà, ce sont les poudres de chez Laura Mercier. Tu nous apprends rien, Basma. Donc la première, c'est un... Alors j'ai d'abord utilisé un blush crème en fait. Il est... Comment on l'ouvre? Voilà. Le blush crème se présente comme ceci. Donc c'est un rose magnifique. On le voit vraiment pas beaucoup sur la caméra, mais moi je le vois en fait avec mes yeux. Donc j'en ai mis en fait, j'en ai tapoté un petit peu au-dessus de mon bronzer. Et après j'avais envie de repasser par-dessus, me demandez pas pourquoi. J'ai utilisé ce blush-ci. Voilà, c'est un blush effet seconde peau. Il va juste un petit peu... je sais pas si vous voyez un petit peu l'effet. Il va en fait... vous faire un effet seconde peau en fait, mais c'est un blush et pas une poudre. Attention, parce que la couleur est quand même différente et plus pêche que ma peau, donc je pourrais pas utiliser en poudre. Et d'ailleurs c'est pas une poudre, hein, c'est tout. Je rentre dans un débat, vous savez. Enfin bref, voilà pour ce maquillage. N'hésitez pas à me dire si il vous plaît. Moi je me ferai un plaisir de vous le faire. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, parce que je mets vraiment beaucoup 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 de choses sur Instagram. Et voilà, donc là je me suis préparée tranquillement, je vais aller m'habiller et... Let's go to the beach, H, nanana. Non, je rigole. On va s'habiller et puis on va sortir. Hello! Oh! Demain il va pleuvoir. Hey! Bonjour! Enfin, bonsoir! Ouais, ouais, bonsoir! Il est tard. Il est vraiment très tard. Il est 18h40. Ouais. Donc. Et qu'est-ce que j'ai entre les mains? T'as mon cadeau. Enfin, une partie de mon cadeau. Par contre, l'emballage, je suis désolée. Hein. J'ai pas pu prévenir. Parce que c'est qui l'envoie? C'est Zalando. Je t'ai acheté des talons, chat. Tu m'achetais des talons? Bah oui, c'est des talons de Mais est-ce que je peux les renvoyer s'ils me vont pas? Comme dans la pub. Bon, j'ai acheté sur Zalando parce que j'ai trouvé plusieurs petits trucs. Le troisième, il est arrivé, il est chez moi. Attends, tu m'as même pas dit ce que c'était. Je sais que c'est de Zalando, donc autant c'est des... Moi je pense que c'est des chaussures. Imaginez la meuf, elle a acheté des trucs pour elle. Genre... Ouais, genre tu me dis, tiens, je t'ai acheté des cadeaux que tu vas m'offrir à mon anniversaire. En plus de ceux que toi tu vas m'offrir, donc en gros, ton cadeau c'est les miens. C'est des chaussures. Tu penses que c'est des chaussures? Mais Zalando, ils vendent que des chaussures. Non. Même si Zalando, vous m'avez pas payé ni envoyé ces cadeaux, Zalando ne font pas que des chaussures. Et en plus, le service, il est excellent. Ah ouais? Ouais. Ils font pas que des chaussures, du coup, ils font quoi? Non, ils font des chaussures, ils font des très grandes marques telles que Hugo Boss. Ah! Donc, ah, si t'as dit Armani. Hugo Boss, ça, tu t'es grillé là. Non, Hugo Boss, Armani, ils font quoi? Ils font du Lacoste. Attendez, 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 attendez.
Attendez. Et j'en suis sûr, elle s'est grillée et elle a dit les marques qu'il y avait dans la boîte. Tu crois? Parce que c'est tellement en fait. L'intonation. Ouais, mais même pas l'intonation, c'est quand. Quoi? Ne t'en parle pas trop vite, tu vas être dessus. Allez l'ouvrir sans vous. Allez, vas-y. Doucement, doucement, tu le décolles de là. Mais il a vraiment été ouvert? Ouais, franchement, je suis. Ah! Attendez, attendez. Vous vous rappelez ce que j'ai dit? Armani, Hugo Boss et Lacoste. On commence par lequel? Lequel tu me. Le rouge. Le rouge. J'ai pas regardé le reste, t'inquiète. Ah ouais? J'ai pas vu. Qu'est-ce que c'est? Un t-shirt, ça, ou un pull? T-shirt Armani. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai eu raison. Il est trop beau. En plus, je kiffe Armani. Tu sais c'est que je kiffe Armani. Ouais, je crois que c'est ça. Tu sais que j'ai acheté des t-shirts Armani à 80€ comme un débit. C'est ta marque favorite, je crois. Ouais. Merci. De rien, je l'ai pris en quelle taille? Ben S. Ah, non. Bon. S, oui, ouais, S. Oh. En plus, le rouge. Ah, le rouge, c'est sa couleur. Après, tu me dis quoi? Après, bon, ben ça, parce qu'il est sorti. Vas-y. Boss, une ceinture Boss. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai raison, jusqu'ici. Il manquerait plus que l'autre truc ce soit un Lacoste et c'est bon. J'avais plus de ceinture. Tu sais que j'en avais une Lacoste, mais je sais plus où elle est passée. C'est d'être un cousin du bled qui a dû me la voler. Mais elle est trop belle la fin. Mais je la sors d'où? Belle. En plus, j'avais pas de ceinture. T'en souviens pas d'enfant, j'en cherchais une. C'est pas mal. Elle est réversible? Bah oui. Je crois qu'elle est réversible, ouais. Je suis pas sûre. Hein. Oh, le rouge, il claque. Il claque pas le rouge? Si, mais elle est pas réversible, mon chat. Oh là 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 là. Mais on le voit quand même, je pense. Elle est magnifique. Eh, ça a dû coûter cher tout ça. Ouais, ouais mais c'est pour ça. Moi, j'en avais acheté une Zara, je l'ai acheté. Parce qu'en fait, moi, je tiens à tout prix à ce qu'il ait un ensemble Hugo Boss pour plan de mariage, parce que je trouve que c'est la seule marque qui est juste canon. Hugo Boss, je vais même pas enlever le plastique là. Là, je le laisse. Et, attends, par contre, au niveau détail, j'ai rien compris. Qu'est-ce que ça veut dire 80 francs? Je sais pas, moi, je m'en fous, elle est trop belle. Mais je crois qu'elle est réversible en fait, hein, non? Oh. Non. Oh, si elle est réversible, ça. Non, non, elle l'est pas. Elle est t'es réversible ou pas? Tu crois trop qu'elle va te répondre en fait. Merde. Oh, elle est trop belle. Et elle tue. Content? Bon, mais c'est tout. Allez, on range. Je suis content. Elle est magnifique. Hello. Et mais regarde ce rouge. Il est magnifique, ouais. Merci. Attends, vas-y. Eh, mais toi, tu vas te détruire ton cadeau. Et ça, en fait, j'ai pensé à l'été en fait. Attends, il y a un truc dedans. Mais non, c'est fini. Quoi? Essayez d'abord, payez après. Ben non, t'as déjà payé là. Ouais. T'imagines, tu me donnes la facture, je me dis tiens, ben paye. Tu ratais là, j'ai rien. Et si tu veux, c'est quoi, ça, si tu veux, on renvoie la. Oui. J'ai pensé à l'été en fait. Oui. Parce que je vais m'acheter les mêmes, mais je veux qu'on dise. Attends, des claquettes Armani. Elles sont pas trop belles. Et elles tuent. Tu sais que l'été dernier, je voulais les acheter en plus. Je sais pas pourquoi je les ai pas achetées. Je crois que j'ai acheté des Adidas à la place, je crois. En fait, parce que je voulais trop me les acheter, tu vois. Du coup, ben, je les ai pris pour ils toi. Ils ont donné un petit. Un petit Je le mettrai dans ton. Comment ça s'appelle? Dans mon quoi? Dans ton. Je suis pas italien. Je le donnerai à un collègue, c'est un italien, je crois. Ouais. Je crois que c'est un italien. Eh, c'est quelle taille? 42. Parfait. Je pourrais pas les mettre. Non, je vais pas les mettre, mais c'est parfait. Elles sont pas trop belles. Elles sont magnifiques. Ouais, en fait, je vais. Bon, tu me laisses finir ma phrase? Attends. Tu me coupes trop. Et, parce qu'en fait, je voulais m'acheter les mêmes, ah, et ça comme va, ça, cet été, on a sorti au niveau des. Eh, c'est magnifique. Non mais on sait jamais qu'il soit trompé, c'est débile. T'es content? Attends, mais là le pire, c'est qu'attends. Tout ce que tu m'as offert là, c'est magnifique, tu vois? Ouais. Mais c'est quoi le quatrième cadeau? Ah? Hey! J'ai changé de veste, je suis rentré chez moi rapidement. Donc parce qu'il y avait quoi avec la. Je suis toujours la même personne. C'est laquelle, c'est la noire? C'est l'autre là, avec laquelle la je grise. Travaille là. Donc, celle avec laquelle je travaille. Ah ouais, c'est complètement. Bref. Je sais pas pourquoi on dit ça, ouais. Mais tout ça pour dire c'est toujours la même personne. Hein. Ne pensez ouais, pas. C'est en fait. Voilà. Mais bon, ouais. On est allé faire des courses. Ouais, j'ai acheté. Elle est allée faire ses petites courses. Bref, c'est du sucre. Elle a acheté du sucre. 100 calories. Forme. Du 4 quarts au citron. Non, voilà. Du 4 quarts tout simple. Et du poivre, il est en bas. Je peux voilà. Et on est allé manger.
manger tranquillement. On est allé bien regarder à Flunch. On a flunché. Bref. Je vais te montrer, ça me chier. Eh non. Bon, bref. On a été où? Ah oui. La ceinture me va à peine. La ceinture lui va à peine parce que t'as vu? De toute façon, au moment où je déballais, je disais, je montrais à la caméra, il y avait écrit 80-70, je crois. 80-30. Et moi, je comprends rien à ça. Tu comprends ce que j'ai fait? Comme je sais que c'est une crevette, j'ai pris la plus petite taille. T'as pris la plus petite? Oui. Enfin, ça. Mais t'as pas trop hâte de recevoir ton cadeau? Ah, mais c'est quoi ton cadeau? Ça, c'est pas. Allez, dis-donc. Allez. Je sais pas. Je sais pas. Il me dit. Je sais pas. Bref, on est bien trop long avec vous à vous parler. Ouais. Toute cette séquence, ça va être coupée en millions de petites séquences. Donc, moi je vous dis au revoir à demain. Et puis toi, tu leur dis au revoir à demain. À demain.